Vous vouliez me voir, patron ? Oui, je voulais te voir, Orléans. Je crois qu'il va falloir accélérer nos plans, si tu vois ce que je veux dire. Des sources venant de l'extérieur m'ont appris que la police était sur notre trace et qu'ils se rapprochaient de plus en plus. Il va falloir frapper maintenant si nous voulons déguerpir au plus vite. Il va falloir frapper fort. Prépare les gars, et ensuite dirigez-vous vers la banque. Très bien, nous partirons dans 15 minutes. Orléans, ne vous plantez pas cette fois. Vous vouliez me voir, patron ? Oui, Dunkerque. Toi aussi, je voulais te voir, parce que nous avons un petit problème, vois-tu ? La bande-annonce de la saison 4 de La Casa de Papel est sortie, et les fans d'Esprit Z aimeraient bien une vidéo-réaction. Le seul problème, c'est que Esprit Z n'a jamais vu la série. Il ne connaît rien de La Casa de Papel. Attendez, quoi ? Il n'a jamais vu la série La Casa de Papel ? Comment il l'a pu passer à côté ? C'est vraiment un cassos, ce mec ! Non, ce n'est pas non plus un cassos, mais c'est vrai que c'est quand même un peu un nul, ouais. Il va falloir improviser. Dis-lui que ça va être nécessaire de faire semblant, parce que sinon ses fans seront déçus. Et même si ses fans s'en rendent compte, au moins il aura fait une vidéo de plus. Alors va le prévenir maintenant, et ensuite rejoins les gars pour le braquage. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato Ivan solo. Partigiano, tu sa pourquoi? Dammi via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via. Qui mi sento di moro. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire sulla montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire sulla montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. C'est une nouvelle journée de confinement à cause du coronavirus. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous avez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce de La Casa de Papel saison 4. Une très grande série, aussi grande que Stranger Things. Sauf que moi je considère que Stranger Things est bien mieux, hein. Je vais enlever ce masque parce que sinon, je vais mal réagir. On ne connaît encore rien du synopsis, donc du coup je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce. Annonce, lumière, moteur, ça tourne, réaction. Et donc du coup, La Casa de Papel 4, bande annonce, c'est parti. Oula, bonjour les gars. Oh, la mitrailleuse. Bonjour toi, le gros dur. Tout peut partir en couille en un millième de seconde. Oula. Et le cerveau de notre opération était en train de sombrer. Le professeur. Et nous. On sombrait tous avec lui. T'es censé nous protéger.
Elle, elle a le droit de faire des erreurs. Mais toi, non! Ferme ta gueule si tu veux pas que je te bute, le brota! Toi, ferme ta gueule. Tokyo baisse ta putain de flingue. Ton putain! Ils se retournent tous entre eux. Oh la, badass. Je t'offre la liberté. Si tu ne coopères pas, tu prendras 30 ans. C'est toi qui décides. Inspectrice. Colonel, trahison. Chef de la sécurité du gouverneur de la Banque d'Espagne. J'ai réussi à me libérer. Oh! Ah, le professeur. Toutes les images des caméras à l'intérieur de la banque. Vous êtes seul. Oh. Vous êtes plus du tout invincible. Tokyo, c'est un tueur. Oh. Ils vont tous crever. Oh. Vous nous avez dit qu'il était impossible de sortir. Mais vous allez nous sortir de là. Vous devez tenir votre promesse. Putain. Oh. C'est méchant. Oh, grenade. Oh. Ce coup, c'est beaucoup plus qu'un casse et tu le sais bien. Putain. Ils sont tous en train de crever. Seulement sur Netflix, le 3 avril. Oh putain, et en plus les cinémas ne seront même pas réouverts le 3 avril, donc du coup tout le monde va aller sur Netflix acheter un abonnement pour regarder la série. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette bande-annonce de la Casa de Papel 4? Eh bien, vu la bande-annonce, ça a l'air d'exploser dans tous les sens, tout le monde a l'air de crever. Tous les braqueurs sont sur le point de crever, ça tire de partout, ça explose de partout, il y aura des trahisons, des rébellions, ça annonce donc une série beaucoup plus forte, beaucoup plus fun que les saisons 1, 2 et 3. Comme ils l'ont dit dans la bande-annonce, ça part littéralement en couille. Et pour une fois, la police prend le dessus sur les braqueurs vu que le professeur n'a plus les caméras de surveillance, donc du coup, ah oui, y a des hackers beaucoup plus performants que lui apparemment. Ils sont tous dans la merde, dans une banque, cernés par les policiers. Oh mon dieu, ça va être absolument fantastique comme série, on attend le 3 avril. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z, coupé. Bravo, t'as réussi à faire la vidéo réaction sans montrer que tu n'avais jamais vu la série. T'aurais pu attendre que j'arrête la caméra, non? Maintenant, ils vont tous me prendre pour un nul. Oh, ça va, tout le monde le sait, tu as toujours été un nul. Ouais, parle pour toi. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu vois, moi je m'en vais. Reviens. C'est ça, nique ta mère. Putain. Reviens, c'est bon, c'était une boutade. Ben voilà. Il boude. Je t'emmerde. Thank you.